C'est un véhicule très inhabituel qui défile sous les yeux des habitants de Stain, en Seine-Saint-Denis. Un cheval et sa calèche qui assurent le ramassage des déchets organiques dans la commune, un parcours de 8 km qui relie 28 bornes de tri chez des particuliers, mais pas que. On a deux écoles, on a un supermarché, une crèche, et on les collecte deux fois par semaine. Alexandrine est aux commandes. Attends le loup, attends. Pendant que Joris récupère les poubelles, le long. Mais la vedette, c'est lui. Comment il s'appelle déjà? Cutter. Cutter, le cheval de trait, attire les foules et ça tombe bien. Tout le projet de l'hippomobile est basé sur sa popularité. Utiliser un cheval, c'était surtout un moyen de sensibiliser les gens, de leur montrer en fait qu'ils ont des bornes en bas de chez eux qu'ils peuvent utiliser. C'est vraiment pour inciter les gens à faire ce geste de tri. Quand la tournée est terminée, direction le site de compostage des Alchimistes, c'est l'entreprise de gestion de déchets alimentaires à l'origine de cette initiative. Ici, les déchets sont pesés, triés et préparés pour être transformés en compost. Une fois qu'on aura enlevé le plastique, on va prendre ces déchets alimentaires, on va les mélanger à ce broyat de bois, et c'est le mélange des deux qui va créer la préparation pour le compost. Le compost Made in Seine-Saint-Denis est mis à disposition gratuitement pour les habitants du quartier, mais il est aussi revendu dans des magasins spécialisés ou en ligne. Quand Cutter n'est pas en tournée, il réside lui aussi en Seine-Saint-Denis. Vous pouvez lui rendre visite sans oublier de le récompenser pour ses loyaux services.